His love is in the past. Son amour était dans le passé. His love is here today. Son amour est ici aujourd'hui. And his love is in the future. Et son amour est dans le futur. Hallelujah. I don't think you understand. Je ne sais pas si vous comprenez. Hallelujah. Whatever you've done in your life. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Whatever you've done against God in your life. Peu importe ce que vous avez fait contre Dieu dans votre vie. Consciously or unconsciously. Consciemment ou non consciemment. It's under the blood of Jesus. C'est en dessous du sang de Jésus. Hallelujah. Jesus. Whatever you did today. Peu importe ce que vous avez fait aujourd'hui. Hallelujah. You're covered by the blood of Jesus. Vous êtes couvert par le sang de Jésus. Hallelujah. Jesus. Whatever you do tomorrow. On a Monday. Peu importe ce que vous allez faire demain ou dans un lundi. Hallelujah. Tomorrow is Monday. Demain c'est lundi. Ooh, Jesus. The blood of Jesus covers you on Mondays, on Tuesdays. Le sang de Jésus vous couvre les lundis, les mardis. It covers you on a Wednesday. Les mercredis. It covers you on a Thursday. Un jeudi. It covers you on a Friday. Les vendredis. It covers you on a Saturday. Les samedis. It covers you on a Sunday. Les dimanches. And back to Monday. Retournant à lundi. Hallelujah, Jesus. I'm telling you that God isn't bound with time. Je vous dis que Dieu n'est pas lié avec le temps. But His love is forever. Mais son amour est pour toujours. His love is for you. Son amour est pour vous. His love is for you and your enemies. Son amour c'est pour vous et vos ennemis. His love is for everybody. Son amour c'est pour tout le monde. Hallelujah, Jesus. I'm so glad to hear this from when Brother Rakim said this. J'étais tellement content quand le frère Ricky m'a dit ceci. Hallelujah. In 2 Peter chapter 3 verse 8. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Hallelujah, Jesus. We understand that God isn't bound with time. Nous comprenons que le Seigneur n'est pas lié avec le temps. And this is the proof. Et voici la preuve. 2 Peter verse 8 says, "But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day with the Lord is as a thousand years, and a thousand years as one day." Donc ça dit ici, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Praise God, God is in control. Dieu est au contrôle. Hallelujah. Tell your neighbor, God is in control. Dites à votre voisin, Dieu est au contrôle. Hallelujah, Jesus. His thoughts, ses pensées, are not our thoughts. C'est pas nos pensées. Sometimes we think that, we could do things on our own. Des fois, nous pensons qu'on peut faire les choses par nous-mêmes. But it's not by might. Mais ce n'est pas par puissance. Nor by power. Ni par la force. But by the Spirit of the Lord. Amen. Mais par l'Esprit de Dieu. Hallelujah, Jesus. When we feel like our situation and our problems. Quand nous ressentons que nos situations et nos problèmes. When you feel it, it feels like it's a long, long time that we have these problems. Et nous ressentons que ça fait longtemps que nous avions ces problèmes. But for the Lord. Mais pour le Seigneur, he just sees it just in one day. Mais il le voit ceci comme une journée. Amen. He's able and capable to answer your problem that's been there for a long time. Il est capable de répondre à vos problèmes qui étaient là pendant longtemps. Praise God. And when we're in the sweet presence of the Lord, et quand nous sommes dans la présence douce du Seigneur, praise God, the presence of Jehovah, la présence de Jéhovah. Amen. It may feel like a long time. Ça peut ressentir comme longtemps. But it just only feels like a moment. Et ça ressent juste comme un moment. Hallelujah. When you're in the presence of the Almighty God, quand vous êtes dans la présence de Dieu Tout-Puissant, nothing else matters. Rien n'est important. It's just between you and God. C'est juste entre toi et Dieu. Amen. In Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Dans Ecclésias chapitre 3, verset 11. I'm just going to read the first part. Amen. On va lire la première partie. He had made everything beautiful in his time. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Hallelujah. Probably you see your ugly problem in front of you. Peut-être vous voyez vos problèmes qui sont pas beaux devant vous. Probably you see all your troubles is right in front of you. Peut-être vous voyez toutes vos troubles qui sont devant vous. But remember, God will make everything beautiful in his time. Et souvenez-vous que Dieu va faire toutes choses bonnes dans son temps. Hallelujah. Whether it be small or great. Peu importe que ça soit grand ou petit, God knows your needs, amen. Dieu connaît vos besoins. We just need to trust Him. Nous avons juste besoin de lui faire confiance. We need to just follow the will of God in our lives. On a juste besoin de suivre la volonté de Dieu pour notre vie. Praise God. Some of us here are musicians. Quelques d'entre nous ici sont des musiciens. And some of us, we play the drums, the piano. Quelques d'entre nous jouent la batterie, le piano. Amen. And it requires timing. Et ça prend the timing. Amen. Praise God. And if one person is off, si une personne est pas correct, everyone will hear it. Tout le monde va l'entendre. Everyone will be off. Tout le monde va l'entendre. Amen. But God has perfect timing. Mais Dieu a un timing parfait. God has perfect timing. Praise God. Dieu a un timing parfait. Hallelujah, Jesus. Whatever we think we fail,
Peu importe ce que nous échouons, God will always be there at the right moment for you. Dieu va toujours là dans le bon moment pour vous. Hallelujah, Jesus. Now this is going to be a bit difficult to understand. Et ceci va être un peu difficile à comprendre. But let's not try to align the will of God or the plan of God in our lives. Mais n'essayons pas d'aligner le plan de Dieu dans notre vie. But let's align our life. Mais alignons notre vie to the will of God. À la volonté de Dieu. Praise God, we cannot try to fit the will of God in our lives. On peut pas essayer de mettre la volonté de Dieu dans notre vie. It's the other way around. C'est le contraire. It's our life that we need to fit inside the plan of God. C'est nos vies qui doivent se rendre à la volonté de Dieu. Hallelujah, Jesus. Probably God is telling us to go, you know, over here. Peut-être Dieu est en train de nous dire d'aller ici. But we want to go, oh God, you know, this probably is a better choice here. Mais on dit, peut-être Dieu ici c'est meilleur. Probably it might be the right choice for you at that moment. Peut-être c'est le bon choix pour vous à ce moment. But God knows further on. Mais Dieu connaît plus loin. He knows 10 steps, 20 steps before you, amen. Il connaît 10, 20 pas après vous. So let's fit our life. Donc, ajustons notre vie to the will of God. À la volonté de Dieu. Hallelujah, Jesus. My second point is waiting upon the Lord. Mon deuxième point, c'est attendre après le Seigneur. Amen. Isaiah chapter 40, verse 31. Isaïe chapitre 40, verset 1. 31. Praise God. What happens when we wait upon the Lord? Qu'est-ce qui arrive quand nous attendons après le Seigneur? And Isaiah chapter 40, verse 31 says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. And they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Amen. Ça dit ici, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Hallelujah, if you're feeling weak today. Si vous vous ressentez faible aujourd'hui. If you've been feeling weak. Si vous vous ressentez faible. The Lord shall renew your strength. Le Seigneur va renouveler ta force. Hallelujah, Jesus. When you give your time and your energy unto God. Quand vous donnez votre temps et énergie à Dieu. You will not be weary in Jesus' name. Vous n'allez pas être fatigué au nom de Jésus. Hallelujah, when you persevere. Quand vous persévérez, you will not faint. Vous n'allez pas tomber. You just need to wait on the Lord. Il faut juste attendre après le Seigneur. Hallelujah. There are things that are so hard to wait. Il y a tellement de choses qui sont dures à attendre. Amen. When we wait for our family, when we wait for the bus, when we wait for these things on this earth. Quand nous attendons après notre famille, l'autobus ou les choses dans ce monde. Amen. Sometimes it's not worth it at all. Des fois, ça ne vaut pas la peine du tout. Praise God, but when we wait upon the Lord. Mais quand nous attendons après le Seigneur. And all the things He's done for us. Et pour toutes les choses qu'il a fait pour nous. I'd rather wait 1,000 years. J'aimerais mieux attendre 1,000 jours. And meet my God. Et de rencontrer mon Dieu. And rather wait in this world. Et que d'attendre dans ce monde and lose everything. Et de perdre tout. Hallelujah, Jesus. The Lord is also waiting for us. Le Seigneur attend après nous. Hallelujah, Jesus. And how do we continue? How do we persevere? Amen. Et comment on va persévérer? Comment on va continuer? Romans 12, 12. Romains chapitre 12, verset 12. Praise God, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Praise God, while we are waiting upon the Lord, pendant que nous attendons après le Seigneur, let's keep doing the work of the Lord. Continuons à faire l'œuvre de Dieu. And let's keep praying in Jesus' name. Continuons à prier au nom de Jésus. Hallelujah, Jesus, pray without ceasing. Priez sans cesse. Hallelujah, Jesus, the moment you're going through any situation in life. Le moment que vous allez à travers une situation dans la vie. We pray. Nous prions. If we're going through hardships, si nous allons à travers des difficultés, we pray. Nous prions. But even if we're going through wonderful, great times in our lives, mais même si nous allons à travers des bons moments dans notre vie, we must pray. Il faut prier. Hallelujah, Jesus. Even though you think, oh, everything is going great for me right now, même si nous pensons, toutes choses vont bien pour moi maintenant, but you never know what's going to happen. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. So that's why we must always pray. C'est pour ça qu'il faut toujours prier. Hallelujah, Jesus. And after that, what's going to happen? Et après cela, qu'est-ce qui va arriver? Hallelujah. When we pray, God will exalt us. Amen. Quand nous prions, Dieu va nous exalter. In 1 Peter chapter 5, verse 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. 1 Peter chapter 5, verse 6 says, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève à un temps convenable. Humble yourselves.
Humiliez-vous. Humble yourselves. Humiliez-vous. Hallelujah. Sometimes, des fois, it's hard to humble ourselves. C'est difficile de s'humilier. Praise God. I remember a time back in high school. Je me souviens d'un temps au secondaire. It took a lot of prayer. Ça a pris beaucoup de temps. It took a lot of time. Ça a pris beaucoup de prières. For me to give fully my life unto God. Pour moi de donner ma vie complètement à Dieu. Because I was full of pride. Parce que j'étais rempli d'orgueil. Full of loneliness. Beaucoup de solitude. Full of confusion. Rempli avec beaucoup de confusion. I didn't know where to go, who to trust. Je ne savais pas où aller, à qui faire confiance. But one day the Lord just said. Mais un jour le Seigneur a dit. Peace, be still. Que la paix soit. We just need to wait. Il faut juste attendre. You just need to hold on for a second. Il faut juste tenir pendant un bout. You just need to stop and know that I am God. Il faut juste arrêter et savoir qu'il est Dieu. The moment when we understand, the moment when we stop to comprehend what God is. Dès que nous commençons à comprendre qui Dieu est. Who God really is. Qui Dieu est réellement. Hallelujah, Jesus, we cannot fathom. On peut pas comprendre. Hallelujah, but God is here today. Mais Dieu est ici aujourd'hui. Hallelujah, with all his power, with all his might. Avec toute sa puissance, toute sa force. He waited for you. Il a attendu pour vous. We wait for a lot of things in life. On attend après plusieurs choses dans notre vie. Amen. Like we mentioned, we wait for buses, for cars, for food. Nous avons mentionné, on attend après les autobus, la nourriture. Unfortunately, many people cannot wait. For their food. Malheureusement, beaucoup de personnes ne peuvent pas attendre après leur nourriture. That's why we have fast foods. That's why we have microwaves. C'est pour ça qu'on a le fast food, on a des micro-ondes. People cannot wait. Les personnes ne peuvent pas attendre. But there's something that we need to understand. Mais il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Amen. Praise God. When we wait for all these things, que quand nous attendons après toutes ces choses, salvation, le salut, cannot wait. Ne peut pas attendre. We may wait for all of things in our lives. On peut attendre en fait plusieurs choses dans notre vie. Probably we're waiting for that perfect someone. Peut-être on attend pour cette personne parfaite. Or a perfect opportunity. Ou une opportunité parfaite. But salvation cannot wait. Mais le salut ne peut pas attendre. Hallelujah. There's only one thing. Il y a juste une chose. That cannot wait. Qui ne peut pas attendre. And it's your salvation. Et c'est votre salut. Praise God. It's not a 30-day free trial. Ce n'est pas un essai gratuit de 30 jours. Hallelujah. We cannot just be saved one day. On peut pas juste sauver un jour. And then after 29 days. Après pendant 29 jours. We stop the subscription and then do whatever we want to do. On arrête notre inscription et on fait ce qu'on veut. But salvation cannot wait. Mais le salut ne peut pas attendre. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthiens chapitre 6.